Ça me paraît pas mal tout ça, cette petite installation là, je teste quelque chose. Donc bonjour tout le monde, okay, j'ai compris. Impressionnant, n'est-ce pas? Des années d'expérience et de trucage informatique. Vous apprendrez un jour. Oui, bon bah voilà, c'est un petit peu le bordel, mais bon voilà, c'est comme ça. Oui, cet engin est complètement inutile, ouais. Mais ça permet de temps en temps de te dépanner, quoi, tu vois. Hein, ça te gratte un petit peu dans le dos, ça te gratte un petit peu plus bas, tu vois ce que je veux dire. Enfin bon, on n'est pas là pour ça. Allez, dégage. Ok, on arrête les blagues, alors. Petite vidéo un petit peu spéciale aujourd'hui. On va réagir à une réaction d'une réaction d'un film. Oui, c'est un petit peu compliqué. Mais... sans plus tarder, on place le petit casque. Hein. On va aller donc sur YouTube. Mais là, je suis en mode grand-père. Dans quel sens ça se met? Voilà, comme ça, c'est ça? D'accord, merci. Merci, dis donc. J'appuie sur play, c'est ça, hein? Voilà, ça fonctionne pas bien, hein, ton bazar, là. Il faut juste tapoter, d'accord. Comme je tapote sur le cul de ta mère, c'est ça. Aujourd'hui, les 12 heures réagissent à Matt se fait des films. Des gens réagissent à Matt se fait des films, ça, mais... qui n'a pas vu ce film? En sortant de la salle, la première chose. Le décor, c'est plus du tout le même, on reconnaît plus rien. Je vois... Youpho! Ah ouais. Ah, évidemment. Évidemment, il pouvait pas s'empêcher de rire. Pourquoi? Parce que la nuit dernière, c'est très bien ce qu'il a fait. J'aime beaucoup ce mec. J'aime beaucoup ce qu'il fait. Le mec est quand même génial. Je t'adore. Mais de gager une entreprise, je le connais. Je le connais très bien, engagez-le. Immédiatement sur le champ. CDI, préparez les documents, faites tout ce qu'il faut. J'avais trop peur de cette scène quand j'étais petite. Ok, donc elle, en fait, elle s'en bat les couilles. De qui elle regarde, c'est-à-dire qu'elle se souvient juste du film. J'ai adoré cette scène, je m'en souviens encore. C'est qui ce Cédric se fait des films exactement? J'aime plutôt bien, ça va. Voilà, ça passe. Ça passe. Enfin, je connais bien le mec, je regarde toutes ses vidéos. Donc. Je trouve que ce qu'il fait bien, c'est de se déguiser toujours, d'essayer de ressembler au personnage. Je sais pas combien de temps il prend à chaque fois pour faire ses montages. Vous voyez ce petit sourire? Je vous le remets. Pour faire ses... ce qu'elle a voulu dire. Je sais pas combien de temps il met pour se déguiser en meuf, mais en tout cas, c'est bien ridicule. Donc c'est plutôt un beau jeune homme qui est en train de commenter des scènes. Il est marrant. En tout cas, c'est un bon acteur. Et ben alors là, hein? Qu'est-ce qui nous arrive? Je comprends pas. Mais j'aime beaucoup ce qu'il fait. Ouais, sur toutes les chaînes de critiques cinématographiques qu'on a sur YouTube. Ce côté résumé qui est sympa, et puis je trouve qu'il a un très très bon jeu. Puis il me fait vraiment rire. J'achète. Clé sur porte. J'ai une réponse encore plus insensée. Je le sais. Vous l'avez sorti le petit... what the fuck? C'est dégueulasse. Et c'est marrant. Bon bah Disney pareil, des grands classiques. Je sais pas trop s'il a fait sur d'autres, je crois qu'il a fait sur le Roi Lion, mais je l'ai pas vu. Je sais pas trop s'il a fait sur d'autres Disney, enfin, j'en sais rien en fait. Je connaissais pas Cédric se fait des films au départ, donc... mais par contre j'adore les Disney. Ouais, celle-ci du coup je l'avais vu. Il a un jeu que je trouve naturellement hyper bon. Puis du coup avec le rythme, avec le montage, puis il a une bonne gueule. Mais bordel! Mais tu dans ce gars! Je trouve que c'est rigolo parce que c'est ce qu'on pense tous des Disney en fait. Exactement. On sait pas trop s'il les aime bien ou pas, mais après bon c'est toujours drôle. On sait pas trop, voilà, c'est ça. On sait pas si j'aime bien ou si j'aime pas, mais c'est ça qui est bien en fait. Parce que moi je suis pas là pour vous donner mon ami. Mon ami. Ah ça va être compliqué de donner mon ami, surtout quand j'en ai pas. J'ai vu déjà La Reine des Neiges il y a pas longtemps, alors déjà ça me fait un peu bizarre. J'ai pu voir déjà la chanson pareil. Je ne vais plus voir la chanson pareil. C'est mission accomplie les gars. Moi mon but, c'est que quand vous regardez ça en famille, ce soit plus du tout le genre de moment qu'on aime partager, tu comprends? Libéré, dévergondé, wesh combien on fait profiter. Vous êtes blessé? J'en sais rien, ouais. Écoute, en principe, si t'es blessé, tu le sais. Vous êtes blessé? Ah, sauf. C'est un film d'horreur, c'est tellement glauque, mais lui du coup il tombe ça d'une façon trop marrante. Il a beaucoup d'aisance, c'est très très naturel. Je pense qu'il a vraiment trouvé son truc. C'est vachement agréable à regarder parce que c'est très très simple, c'est rapide, c'est naturel, mec, et puis, mec, il se démerde bien dans les imitations. Mec, je te nomme ambassadeur officiel de la souille. Dozy, vous payez pas vos participants quand même? Bah du coup là c'est très prenant je trouve parce que c'est film d'action, film d'horreur, tout ça. Ouais, limite ça me donne envie de voir le film alors que je l'ai pas vu. Bim! Second objectif atteint mec. C'est ça la beauté de la souille mec. Tu peux te permettre de souiller un film et dans le même temps donner envie aux gens de le mater. Et un échange de bons procédés tout à fait sain. Mais bon, là ça me fait rire, mais si je le regarde comme ça, il y aura pas à mettre ce film avec le film à côté pour faire des vannes. Ah oui, non, là non, je ne serai pas à côté. Comment est-ce qu'on peut faire ça? Ce que je te propose, c'est que quand tu le regardes, tu m'appelles et à la limite, je te susurre les vannes. Je sais pas ce qu'il a avec les personnages, il fait plein de styles chelous. Enfin, il a un jeu d'acteur bizarre, c'est super marrant. Heureusement qu'il y a la dernière phrase pour sauver les meubles. Il a un style assez particulier, je veux dire, c'est assez chelou, très bizarre. Je veux dire, le gars s'habille en meuf.
Pourquoi ? T'es pas obligé. C'est de la merde. On est passé à ça de ce scénario. Vous le savez très bien. Ouh, ça commence à être chaud là. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ah, ça fait trop rire que ça soit ça dans le film en vrai. Mais il est bizarre avec ses bretelles là. Je sais pas c'est quoi. Oui ! Oui ! Eh, ça taille en fait. Eh, j'arrête en fait. Franchement, si vous pouvez faire plus de Disney. Disney, je pense que vous êtes quelques-uns à me le demander. On pourrait bien aimer voir La Vague, 21 grammes... Excuse-moi. On pourrait faire, je ne sais pas, La Vague ou La Liste de Schindler. Oui, un peu plus réfléchi, effectivement. Ce sera toujours aussi con, ça c'est... on peut rien y faire. Merci d'avoir regardé la vidéo et puis abonne-toi, lâche un pouce bleu. Bon bah je pense qu'on peut dire que je m'en tire plutôt pas mal hein. Ça me fait plaisir qu'ils aient choisi un panel que je leur avais recommandé, hein les amis. Comment ? Bon bah qu'est-ce qu'on se dit alors dans ces cas-là ? Merci ? Merci Douzy et ses participants. Si vous êtes du même avis, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu ou un petit commentaire, hein, donnez votre avis. J'espère que cette petite parenthèse vous a plu, et on se dit à bientôt. Et surtout abonne-toi, hein, rejoins la team Souillon. Allez, viens, allez. Franchement, c'est important, t'abonner, ma gueule. Abonne-toi et te rends un chocolat.